Bon, j'ai acheté cet appareil, je voudrais le fixer, j'ai fait les trous. Alors, il est fourni avec 4 vis, 4 boulons, vis et écrous. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas assez longues. En plus, moi, je compte rajouter une rondelle ici, une rondelle là, plus la largeur de l'écrou. Il m'en faut des plus longues.
Quand ça fait ça, c'est que je suis allé, j'étais légèrement trop profond. En fait, il faudrait trier en amont tes câbles et préserver un maximum la longueur des câbles. C'est sur là que tu gagnes énormément de temps. Et vraiment mesurer tous les câbles de la même section et tous les passer les uns à la suite des autres. Sans avoir un tout, une fois que tu as tout fait. Parce que c'est pénible de trouver le réglage, une fois que tu l'as, faire tous les câbles de cette section. J'ai coupé un petit segment parce qu'après, quand j'aurai fait celui-là, je vais aller voir dans ma réserve, enfin dans mon tas là, lesquels ont vraiment parfaitement la même section. Parce qu'une fois que tu as dénudé, bah, tu n'as plus le calibre. Bonjour à tous, je vous propose de faire un petit bilan. Je vous demanderai de m'excuser si je lis beaucoup ma feuille. J'ai scripté de manière à rien oublier,
à pas être trop longue mais exhaustive et produire des sous-titres de qualité à destination des personnes malentendantes. Donc cette machine que vous avez vue, je l'ai achetée en février 2022. 90 € livraison incluse en relais colis. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vous ai mis le lien de manière à ce que vous puissiez accéder à la référence exacte, pardon, dans la description sous la vidéo. À l'heure où je vous fais cette vidéo, nous sommes en août 2023. Je me suis laissé le temps, j'ai laissé le temps courir. Je ne voulais pas faire un test où je vous donne mon avis alors que ça fait même pas 15 jours que j'ai le produit. Je sais qu'il existe plein de vidéos sur YouTube d'astuces qui nous montrent comment dénuder du cuivre, se bricoler soi-même un petit outil pour dénuder des fils électriques, notamment à base de morceaux de bois de récupération, de lames de cutter, lames de rasoir et ou de clous bien taillés. Et notamment mon collègue, je crois bien qu'il est québécois, le Garage des Chambreurs, qui a fait une vidéo sur ce sujet, à base d'un morceau de bois, un bout de clou et un étau, il arrive à faire quelque chose. Je vous invite à aller voir sa vidéo à titre de comparaison, parce que ça fait, si vous voulez, une ligne de comparaison, une ligne de base. Mais vous aurez remarqué que lui, il a un immense garage, et moi, j'ai déjà pas du tout de garage. Et moi, donc, j'ai pas voulu me bricoler le moindre truc. Avant d'acheter cette machine à dénuder du câble, j'avais l'habitude de faire ça à la main, avec un couteau dédié à cet usage, un fusil à aiguiser, une pince à dénuder. Je cherchais quelque chose de plus rapide, de plus sûr, et j'étais dans une démarche d'investissement. C'est-à-dire que j'étais prêt à dépenser du pognon que j'avais gagné en dénudant du câble pour pouvoir augmenter ma vitesse et diminuer le temps nécessaire à dénuder du nouveau câble qui me rembourserait l'achat de la machine d'ailleurs. Dans ma tête, c'était très clair que le problème de départ, c'est que c'est très pénible de dénuder. Et pourtant, j'ai pas envie de revendre les câbles avec leur gaine, vu que le prix de revente du cuivre dénudé est bien supérieur à celui des fils électriques avec encore leur gaine. J'étais prêt à dépenser un petit peu de pognon dans une optique d'investissement. Je voulais un truc un petit peu standardisé, un petit peu professionnel. Et en plus, je vous disais, moi, je fais ça dans mon salon, je fais pas ça dans mon garage. J'ai pas de garage, par contre, j'ai un enfant en bas âge à la maison. Donc, si vous avez un garage où il n'y a pas d'enfants en bas âge, ça vous paraît rien d'avoir un étau avec un morceau de bois, un clou et une lame dedans. Moi, c'est pas pareil. Je peux même pas laisser traîner un morceau de bois qui soit trop brut. Rien que les échardes, ça pourrait m'attirer beaucoup de problèmes. La machine que je vous ai montrée dans cette vidéo, l'avantage, c'est que je la garde rangée dans un meuble auquel les enfants ne peuvent pas avoir accès, ils ne peuvent pas ouvrir. Je l'ai vérifié depuis des mois qu'ils ne pouvaient pas ouvrir ce meuble. Et donc, je peux la sortir une demi-journée où je vais m'occuper de faire que du câble, que dénuder du câble. Et en plus, avec cette machine, j'ai pas besoin de travailler avec un étau. Et l'inconvénient de l'étau, c'est que moi, j'ai tendance, et je pense qu'on est tout le monde dans ce cas, à le mettre en bordure de meuble, avec tout ce que ça représente comme problème, l'enfant qui passe et qui se cogne dans l'étau, ou les problèmes d'équilibre que ça peut occasionner, surtout qu'à force de travailler sur le plan de travail à une extrémité, ben ouais, ça accentue les problèmes d'équilibre et d'accident. Avec cette machine, je peux travailler avec bébé à côté. Il suffit que je me mette sur une table suffisamment grande, même la table à manger. Ça va, la machine n'est pas trop lourde et pas trop contondante. Je peux mettre un petit truc pour protéger. J'ai pas besoin de me rabattre sur un plan de travail 100% bricolage ou travailler au sol. Je peux travailler sur une grande table suffisamment grande pour que bébé, si je suis là, de toute façon, s'il s'approche trop, je lui remets les points sur les i. La machine est centrale, elle n'est pas trop près d'une bordure. Ça va, je peux travailler avec bébé à côté pendant qu'il joue à je ne sais quoi. Bon, c'est pas idéal, hein, mais je parle des cas où vraiment il faut garder bébé. Je préfère travailler sans bébé à côté. Surtout qu'il y a du talc qui sort des câbles quand on les dénude. Enfin, du talc, c'est pas du talc, je sais pas ce que c'est une poudre blanche industrielle. Je pense que bébé, faut pas qu'il touche les gaines, faut qu'il touche à rien, et encore moins qu'il aille piétiner des pots de poudre. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre la machine au centre, avoir une table où on met la machine au centre, parce que si on ouvre là, ben la poudre reste là, quoi. Et puis bien nettoyer derrière, bien évidemment. Alors, est-ce que je vous recommande au final cette machine? Eh bien, je trouve qu'elle est bien. Elle est vraiment bien efficace, elle est vraiment supérieure, surtout sur du long câble, des grandes longueurs. Surtout, ne préservez au maximum les longueurs des câbles que vous allez récupérer à droite à gauche. Pas les couper en morceaux parce que ça vous fait beaucoup plus de travail. Et puis, c'est très très efficace, donc je vous disais sur des grandes longueurs.
plus longueur est grande, conserver plus c'est rentable. Et puis, c'est rentable de travailler par session de demi-journée, c'est-à-dire attendre que vous ayez du stock pour effectivement vous y mettre, pas un petit peu tout le temps. Si vous voulez absolument en faire un petit peu toutes les semaines, à moins que vous récupériez des quantités astronomiques de cuivre, si comme moi, si vous faites toutes les semaines, c'est que vous avez 4 ou 5 fils électriques, ça vaut pas le coup d'acheter cette machine, hein, je trouve pas. Je pense pas que je gagne beaucoup de temps en travaillant sur des petites quantités. Alors, il y a la question des câbles oblongs. Vous savez, certains câbles, par exemple, d'aspirateur, l'enrouleur de l'aspirateur inclus, ou des câbles de lampe de chevet, la section est oblongue. C'est comme un rectangle, mais arrondi. Un câble, j'ai envie de dire, un petit peu plat. Ou comme un câble à section ronde qui aurait été un peu aplati. Je me souviens plus. Je crois que ça marchait bien, mais j'en suis pas sûr. J'ai pas retrouvé de rush. Ce que je ferai, c'est que dans la description sous la vidéo, je vérifierai, plus tard, là, après avoir fait la vidéo, quand j'aurai du câble oblong, je vérifierai. Mais je pense que ça marchait tout aussi bien. J'ai un petit doute parce que la gorge, quand même, est plutôt adaptée au câble rond. Mais j'en avais fait. Je crois que ça marche bien. Si je me trompe, si ça marche pas trop bien sur les oblongs, je vous le marquerai dans la description sous la vidéo. Mais je crois que ça marchait aussi bien que sur le reste. Alors, c'est important, je le redis, de visser là, la plaquette noire d'admission. Là, il y en a deux modèles fournis. Avec plusieurs diamètres, là, c'est l'admission, c'est là par lequel vous allez passer le câble pour qu'il soit bien droit en face de la goulotte et de son couteau. C'est important que cette plaquette, vous ne la vissiez avec aucun outil, mais vraiment à la main, parce que c'est important de pouvoir s'adapter un maximum à la section des câbles. Et c'est pas nécessaire de visser, que ce soit vissé particulièrement fort. Ça va juste vous empêcher de changer de plaquette. Ça fait considérablement plus de travail. Il s'agit juste de conduire le câble, c'est juste du support. Donc, visser à la main, les quatre vis, là, c'est BTR en plus, c'est largement suffisant. Alors, au début, j'ai essayé d'utiliser la perceuse 230 volts alternative, enfin, courant alternatif, 50 Hz, laissez tomber. C'est beaucoup trop dangereux, on ne peut pas moduler. En plus, moi, c'est une perceuse à matrice, Bosch, usage occasionnel. C'est déjà beaucoup trop puissant, beaucoup trop dangereux. Et puis, ça permet pas de moduler vraiment aux besoins du câble, de ressentir le matériau pour faire du bon travail. Et en plus, c'est beaucoup plus lourd, donc ça tire considérablement, ça fait beaucoup plus tomber la machine. Il faut travailler en finesse et en légèreté. Et à ce titre, une fois que j'ai testé la perceuse 12 volts, ma perceuse, la petite perceuse chinoise 12 volts courant continu, j'ai pu changer. C'est beaucoup plus léger, j'ai beaucoup plus de finesse. Je peux la laisser sur le truc. C'est beaucoup plus léger, donc ça ne crée pas les problèmes de déséquilibre. Et de toute façon, il faut faire rouler, il faut actionner la goulotte, il faut la faire tourner lentement. Donc ça sert à rien de toute façon de sortir la 230 volts alternative, ça va beaucoup beaucoup trop vite. Non seulement il faut y aller doucement, être bien sûr que ça sectionne une partie de la gaine suffisamment, et il faut rester bien en face, il faut travailler en douceur et en finesse. Si vous avez trouvé le bon réglage du couteau, la bonne position du câble, malgré ça, si vous allez trop vite, en fait, le câble, soit il sort de la gorge, du coup, ça ruine tous vos efforts, soit il se met à vriller, c'est encore pire, pendant que vous le coupez, et du coup, c'est un carnage, le résultat est quasiment inexploitable. Alors, il faut bien maintenir le câble fermement, droit, face à l'entrée du couteau. Faut vraiment, vous avez vu dans les vidéos, hein, faut vraiment mettre le câble, le maintenir bien droit. Même s'il y a le support, ça suffit pas. En fait, admettons, si la plaquette noire de support, elle est là, il faut vraiment, vous avez vu dans la vidéo, il faut vraiment le maintenir comme ça et l'accompagner. Limite, opposer une résistance. Limite. Mais de toute façon, vous allez prendre le coup de main. Et donc, j'insiste bien que, certes, c'est pénible de bien positionner tout ça, mais faut pas hésiter à retourner, repositionner la plaquette noire d'entrée, d'admission, de manière à ce que le trou du bon diamètre se retrouve le plus possible en face de la goulotte dans laquelle vient se loger le couteau. Il faut vraiment prendre le temps de bien préparer le truc, bien être en face et de prendre les plus longues sections d'une seule référence, d'une seule dimension et de tout avaler, quoi. Il faut vraiment le temps de se préparer au début. Donc oui, c'est une machine qui vaut le coup, je trouve, mais elle vaut le coup si vous avez une visseuse sur batterie, légère, pratique, pas trop puissante. Je trouve que ça vaut pas du tout le coup de faire tourner à la main. C'est beaucoup plus pénible, et puis en plus il faut la manivelle là, qui a un grand rayon qui peut vous gêner. C'est quand même bien sympa d'avoir une petite visseuse sur batterie. Moi j'ai pas en dessous de 12 volts, mais je sais que ça existe, que ça peut, je pense que ça peut faire le travail.
si le mandrin est suffisamment grand pour prendre l'écrou, là. Par contre, à la main, ça ne vaut absolument pas le coup, hein. Je préfère vous prévenir. Et la miniaturisation des perceuses fait que ben, la perceuse sur batterie, elle est moins, quasiment moins grande que la manivelle qui est fournie. Mais ce n'est pas qu'une question de dimension de la manivelle, hein. Ça vaut vraiment pas le coup de faire tourner ça à la main. Surtout qu'à la main, vous avez beaucoup plus de mal en fait à être régulier dans la coupe. Vous allez faire des à-coups et je trouve que ça nuit considérablement à la netteté et à la bonne coupe en fait de la gaine. Donc je le redis pour ceux qui n'auraient pas trouvé ça clair dans les images, il faut lever le couteau, placer le câble, venir le faire positionner. D'ailleurs, ce qui est même mieux, ce que je vous recommande, c'est de prendre une pince à dénuder et votre câble aux deux extrémités, vous dégommez le premier demi-centimètre. Eh ben, parce que moi je trouve que quand on positionne le couteau, on est un peu obligé d'attaquer toujours 1 cm ou un demi-centimètre après le début de la gaine. Et c'est-à-dire que quand vous aurez bien tout coupé, tout parcouru avec le couteau, la gaine, pour choper une extrémité, c'est beaucoup plus simple si vous avez mis un coup de pince à dénuder sur l'extrémité de départ. On perd beaucoup de temps à choper le truc, l'extrémité de départ pour ensuite tirer les brins en cuivre. Donc, levez le couteau, placez le câble et vous redescendez le couteau en forçant un peu avec la molette du dessus. Vous forcez un petit peu de manière à ce que rien ne bouge. Hein. Déjà, ça maintient le câble dans la goulotte. Et il faut que le couteau attaque la gaine. Mais il ne faut pas qu'il aille jusque il faut pas qu'il coupe trop, il ne faut pas qu'il arrive jusqu'au cuivre. Il faut juste que vraiment il attaque. La première partie de la gaine, quoi. La deuxième partie de la gaine, c'est celle qui est après le cuivre de l'autre côté. Autre remarque, c'est beaucoup plus simple avec les câbles avec des âmes rigides, des âmes en cuivre rigides, que des âmes en cuivre souple, multibrin. J'ai envie de dire évidemment, non, sans douter. Faut bien faire attention à ne pas enfoncer ta lame trop, parce que le résultat sera non pas non plus exploitable. Et par exemple, si ton câble vrille ou si tu mets ta lame trop profondément avant de faire tourner, eh bien, tu vas avoir tes multibrins qui sont sectionnés aussi par le couteau. Et du coup, quand tu vas vouloir dépiauter après, tu as plein d'extrémités de brins, mais des multibrins assez fins qui te rentrent dans les doigts. C'est très désagréable, c'est douloureux, ça te ralentit en plus. C'est énervant et du coup, quand tu t'énerves, bah, tu perds encore plus de temps derrière à continuer. Alors ensuite, la fixation au meuble, vous avez vu qu'à un moment donné, je fixe la machine au meuble, c'est pas nécessaire, c'est pas la peine. C'est pour ça que vous m'avez vu après carrément sur des sauts, carrément moins stable, mais je me faisais moins mal au dos par contre. Et puis comme je vous l'ai dit, je fonctionne par demi-journée, et après le truc, je le range dans un meuble où personne n'y a accès sauf moi. Du coup, c'est pas la peine que je mette 4 boulons avec les rondelles à chaque fois. Si vraiment vous pouvez le laisser traîner en position fixe, mais j'y crois pas trop parce qu'à mon avis, vous attendez un petit peu à d'avoir suffisamment de cuivre et ça vous mange une partie de votre plan de travail. Et à ma connaissance, on a tous des problèmes de place. Et je dirais même mieux, c'est bien que ça soit immobile et pas fixé sur le plan de travail pour pouvoir bouger librement, pour s'adapter à chaque situation, chaque câble. Ouais, parce que c'est bien. Des fois, la lumière est importante pour voir ce que vous voyez. C'est bien de pouvoir pivoter. Quitte à revenir en arrière, oui, je trouve que c'est bien de ne pas être fixe pour s'adapter, pour pouvoir tourner la machine et pas en fait se péter le dos pour pouvoir bien voir, pour pouvoir rattraper et pour pouvoir tester plusieurs emplacements sur là où vous allez travailler aussi. Et peut-être même varier la position. Peut-être que vous, au début, vous serez content de travailler debout, après sur la table, après au sol, je ne sais pas. Voilà, moi je vous dis, je vis dans un appartement, j'ai des problèmes de volume, donc c'est bien cette machine pour un petit volume. À condition de pouvoir la ranger, c'est mon cas, ça prend pas de place, c'est pas très fragile. Voilà, elle reste 6 mois facilement sans être utilisée, le temps que je reconstitue mon stock et que je me trouve une demi-journée tranquille. Ah oui, ce qui nuit au rendement, c'est aussi les sacs. Parce que les gaines, avec la poudre, la blanche, je sais pas ce que c'est cette poudre blanche, si vous savez ce que c'est. Est-ce que vous pouvez vous manifester, donner l'information dans les commentaires sur la vidéo. Je sais pas si c'est vraiment dangereux, que même moi aussi je devrais m'en méfier. Moi, j'ai tendance à faire ça à la main. Mais ça fait rapidement beaucoup de volume de gaine. Et moi, je vous ai dit, je vis à Montpellier dans un appartement au milieu urbain. Et du coup, si j'ai pas anticipé, je peux nuire à mon rendement vu que je vais mettre ça dans les sacs plastiques. Mais les sacs plastiques, c'est pas gratuit. Alors, ce qu'il faut, c'est des sacs cabas. C'est ça que je veux dire. Il faut que tu prévoies ce genre de sac ouvert, solide,
Donc tu pourras lui mettre, ça fait du poids les gaines, hein, ça fait du poids. Et après, ça, tu le jettes dans un conteneur poubelle et tu récupères le sac cabas. Parce que si tu dois jeter dans des sacs plastiques, ben, le sac plastique va impacter ton rendement. Moi, je le déconseille. Moi, je préfère travailler avec du sac cabas. Bon, un sac cabas qui craint rien, quoi. Celui-là, il est un peu trop propre. Puis accessoirement, le fait de, une fois que tu as séparé le cuivre et la gaine, tu mets le cuivre dans ton sac à cuivre, de mettre directement dans le sac cabas, ça te permet de gagner du temps, de moins salir. C'est ça aussi, c'est à penser en amont. Bah, vous connaissez, je pense. Donc moi je trouve que c'est une machine qui vaut le coup. Si jamais je change d'avis, ben regardez, je mettrai dans la description sous la vidéo, je vous mettrai des dates, comme ça vous rappellera, ça vous donnera une petite idée de la frise chronologique, ça vous donnera une petite idée de la chronologie. Mais je dirais que plus vous êtes jeune, si vous avez déjà l'habitude de récupérer du cuivre, ben foncez en fait. Si vous avez déjà l'habitude de dépiauter du cuivre sur des câbles alors que vous avez même pas 30 ans, même pas 40 ans, j'ai envie de dire foncez, parce que c'est sûr que vous allez la rentabiliser encore plus. Les personnes qui ont déjà 60 ans, 70 ans, 80 ans, je pense que ça reste quand même intéressant et valable si elles continuent, parce que ça leur facilite le travail, ça peut leur permettre de continuer une activité. C'est bien des fois de trouver une manière de travailler un peu plus intelligemment, parce que pour les personnes âgées, c'est important d'avoir des activités un peu physiques et ouais, stimulantes, mais elles doivent faire un petit peu attention. Donc je pense que ça reste quand même intéressant pour tous les âges, mais j'ai envie de dire pour les jeunes, vraiment, le cuivre. Il y en a partout. C'est pas, vous pouvez le revendre, il n'y a pas d'imposition. Donc c'est intéressant au niveau du rendement. C'est quasiment intraçable. Même en situation particulièrement inquiétante, en cas de guerre, en cas d'effondrement de la normalité, comme disent les survivalistes ou les autonomistes, ben, ça reste valable, quoi. Par contre, si vous ne connaissez pas le cuivre, que vous n'avez pas déjà l'habitude de dépiauter des fils électriques, je pense pas que ça vaille le coup d'acheter cette machine. Je pense qu'il faut déjà un petit peu être dedans. Si vous êtes déjà un récupérateur de cuivre, si vous faites un petit peu d'argent à droite à gauche comme ça, oui, mais si vous découvrez cette source de revenus maintenant au travers de cette vidéo, je pense pas que la machine soit faite pour vous. C'est un petit peu comme les voyages en camionnette aménagée, et il faut pas se lancer sur l'achat d'une camionnette juste quand notre seule expérience consistait à regarder des vidéos sur YouTube de gens qui vivent là-dedans. Il faut d'abord faire vos expériences avec le véhicule que vous avez pour voir si ça vous correspond. Ben là, c'est pareil. Il faut déjà voir si vous comprenez les matériaux, tout ça, et effectivement, si vous êtes capable, vous voyez, de récupérer du câble, et que, ouais, vous comprenez le truc, vous savez le vendre, et à qui le vendre, à un bon prix. Là, oui, ça vaut le coup d'acheter cette machine. Dans ce sens-là, oui. J'ai mis dans la description sous la vidéo les noms et les références des outils qui m'ont été utiles. J'espère que ces images pourront vous aider, vous, dans votre cas particulier. Si vous avez apprécié la démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous aimez la débrouillardise, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique spéciale Où et comment récupérer du cuivre.